Allez, bonjour, direct depuis le village du Père Noël. Nous sommes ici en Andilly, en Haute-Savoie. On est en France, bien sûr, à côté de moi, un Père Noël. Bonjour. Bonjour. C'est le père du Père Noël, Vincent Imbert. Un petit peu, on va dire, un petit peu. Toute cette foule derrière nous, on est en direct, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en direct. C'est grâce à vous. Il y a combien de temps qu'il existe ce hameau du Père Noël ici à Andilly, on rappelle, entre Genève et Annecy, hein. Alors on est à Saint-Blaise, on n'est plus à Andilly, il a vécu pendant 4 ans à Andilly, maintenant il est à Saint-Blaise depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière nous des enfants? Une file d'attente impressionnante, là-bas derrière le Père Noël, à l'intérieur plein de choses exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on peut voir ici à Saint-Blaise, au hameau du Père Noël, Vincent? Eh bien, la chambre du Père Noël, la maison du Père Noël, la maison des lutins, la maison du Père Fouettard avec toutes ces diversités qui sont très intéressantes, la maison des Mères Noël, parce qu'on a deux Mères Noël aujourd'hui, une en haut, une en bas, une dans le grenier. Et puis la maison des Totos depuis quelques temps avec le marchand de sable qui reçoit tous les enfants. Ça, c'est important. Et le Père Noël en personne qu'on peut tout voir. Tout à fait. Voilà. Oui, jusqu'à la fin novembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre, parce qu'après, il va dormir, hein, c'est après, ça. Il va dormir, il sera dans son lit. On pourra le voir en train de dormir dans son lit et il ronflera. Voilà. Mais il prend du repos parce que le 24 décembre se rapproche. On salue mon jumeau, on salue Nicolas Bailly, on salue Marianne Fleuteau, Solange Tidlani, Lorraine Kempe, plein de gens qui nous regardent. On voit plein de gens, plein d'enfants ici. Combien de personnes aujourd'hui, dimanche 25 novembre 2018 ici? Je pense qu'en fin de journée, on sera plus de 6000 visiteurs. Ouais. 6000 plus de 6000 visiteurs. On rappelle que c'est possible. On voit des gamins, des enfants émerveillés ici. On voit plein de gens là derrière. On ne va pas trop s'approcher pour ne pas trop les déranger. C'est ouvert tous les jours à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, on est ouvert tous les jours, 10h, 18h au plus court, on va dire. Mais mercredi, c'est 19h. Oui. Et le week-end, c'est 9h jusqu'à 20h le samedi et 19h le dimanche soir. Et c'est jusqu'à Noël? Dès 9h le matin, jusqu'à Noël. Et après Noël, on est ouvert. De toute façon, on est ouvert toute l'année. Le hameau du Père Noël est ouvert toute l'année. Avec oui. Ces personnages, sont là toute l'année, même en juillet, août. C'est ce que j'explique à tout le monde pour leur dire, ne venez pas que aujourd'hui. Faut venir, effectivement. Alors, on y croit au Père Noël, mon jumeau me dit qu'on y croit. Isabelle nous dit un petit bonjour, c'est génial, nous dit Isabelle aussi. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas venus ici, Vincent Imbert, les enfants ont le sourire, les parents ont le sourire, les grands-parents ont le sourire. On est entre Genève et Annecy. Il faut venir impérativement, Vincent Imbert, ici. Bah, c'est bien. C'est vrai que pour les enfants, c'est un vrai moment de bonheur. Je crois que même pour les adultes, c'est un petit moment d'émerveillement. On en a un peu besoin. Donc c'est vrai que ça permet de passer un petit peu un moment à autre chose dans notre vie. On salue le maire adjoint de la GIET, Daniel Danglard. Bah, vous êtes toujours maire, Vincent Imbert? Oui, maire d'Andilly. Maire d'Andilly, on le rappelle ici. Vous pouvez tout faire, le maire et le Père Noël? Bah, on essaie de faire ce qu'on peut, en tout cas. On essaie de prendre du temps pour ça. Gabriel Cusin nous dit, pas bien fourni la barbe du Père Noël. Non, la barbe du Père Noël, elle est où, là? Gabriel Cusin, on salue aussi Gabriel. Ça veut dire qu'ici, c'est le rêve. Quel est le jour où on doit venir pour avoir pas trop de monde? Marianne dit, c'est super. Le lundi, le mardi, le mercredi, un peu plus de monde. Jeudi, vendredi, et éventuellement le samedi soir où c'est splendide et il y a un peu moins de monde. Et le soir, c'est paraît-il encore mieux. C'est très beau, c'est illuminé jusqu'à 20h le samedi soir. Et quand on arrive à 18h, il n'y a plus grand monde parce que comme on a des enfants, en général, ils sont couchés de bonne heure. Ils se couchent assez tôt, effectivement. Voilà. Alors ici, toute la journée, on rappelle, les horaires, on les retrouve où exactement? Sur internet, www.lepetitpays.com. Lepetitpays.com. Est-ce que moi, je peux m'approcher un petit peu, Vincent, là, de... Bah, allez voir si vous voulez discuter un petit peu avec tout le monde. Je vais discuter avec les gens. Vincent, voilà. Merci. Merci beaucoup en direct du village du Père Noël. Le Père Noël, il est là, on va l'applaudir. Merci en tout cas. Merci Vincent, parce que grâce à vous, tous ces enfants ont le sourire. Bravo, merci on Vincent. On essaye en tout cas. Et puis merci, bon courage, hein, bon courage. Voilà, on est en direct. On rappelle ici depuis le hameau du Père Noël. Et on est ici entre Annecy et Genève, avec l'entrée ici. Beaucoup de monde aujourd'hui, énormément de monde. 6 à 7 000 personnes ici. Autour du château, on voit beaucoup d'enfants. On va s'approcher pour ne pas déranger. Et puis on va essayer d'avancer un petit peu vers la boutique ici. On voit cet ensemble magnifique ici, avec un temps très couvert aujourd'hui sur Andilly. Voilà, continuez à nous donner une vie de bonne humeur. Pierrick Fournier, effectivement, bonjour à tous du Chablais. Voilà à quoi ça ressemble. On est au col du Mont-Sion, très précisément. Bonjour Johan qui nous regarde aussi. Voilà, on est en direct depuis le village du Père Noël. On va essayer de rentrer ici, peut-être par la porte des artistes, la porte de la sortie, pour voir un peu ce qui se passe, si la connexion est bonne. Voilà, je vais en profiter pour rentrer ici. Les enfants qui sortent avec le sourire, les parents sont contents, les enfants sont contents, tout le monde est content, j'en profite pour rentrer aussi. On rentre à l'intérieur maintenant de cet ensemble extraordinaire ici en direct, on rappelle depuis Andilly. Voilà l'ambiance du Père Noël ici, beaucoup de choses à voir, beaucoup de cadeaux, beaucoup de vitrines. Et puis les lutins aussi, regardez, le Père Noël ici. Bonjour, le garage Manu. Voilà, le retour en voiture, effectivement. Regardez à quoi ça ressemble l'intérieur ici. Beaucoup d'enfants qui sont heureux ici. Et puis plein de choses à voir dans ce hameau du Père Noël. Dans lequel nous sommes des petits, des grands, des grands-parents, des enfants. Le sourire, toujours le sourire. Et puis beaucoup de choses à voir ici.
c'est déjà Noël. On rappelle qu'on est à un mois tout juste de Noël, avec beaucoup de choses à voir ici. Nous sommes dans la boutique, nous n'allons pas pouvoir rentrer davantage, peut-être faire un petit tour par ici, mais c'est interdit, je crois. Voilà, pour voir un peu les enfants qui sortent, c'est l'entrée. Beaucoup de monde aujourd'hui, on le rappelle, avec ce hameau du Père Noël. On va finir là-dessus avec les caissières qui sont ici en direct. Bonjour les caissières, bonjour. Bonjour. Grosse journée pour vous, hein, on est en direct ici. Ah, hein. Oui. Combien de personnes aujourd'hui, vous le savez à peu près? Vous savez pas, vous ferez le compte ce soir. Voilà le hameau du Père Noël, avec des choses étonnantes à voir. Voilà ces ambiances où tout le monde retourne dans son enfance. C'est magnifique, nous dit Solange, c'est déjà la Noël, effectivement. Et voilà, on voit plein de choses, des parents, des enfants contents ici, avec plein de choses à voir, et plein de décorations. Et puis Père Noël, bien sûr, qui est en train de manger alors qu'il est midi, il est en train de manger le Père Noël. Donc il ne manque plus que la neige, elle va arriver la neige. Bonjour Karine qui nous regarde aussi. Voilà le en direct tout ce qu'on peut voir ici. Les enfants sont émerveillés, les parents aussi. Voilà, on rappelle qu'on est ici au col du Mont-Sion, entre Annecy et Genève. C'est la capitale, on va dire, du Père Noël en France, pratiquement. On sait qu'il y a aussi une capitale en Finlande, Rovaniemi. Il y a aussi une autre capitale ici, avec une petite chanson bien sûr de Noël. Bonne journée, venez consulter le site. Voilà, bonne journée et à très bientôt. Merci. Bon, pas bon Noël, mais préparez bien Noël. En tout cas, le temps de l'avant va commencer bientôt.